Vous avez remarqué? Enfin, les journées rallongent. Ah, ça fait du bien. Parce que vous savez qu'on a évité le pire. L'obscurité totale pour l'éternité. Goéland voulait posséder la lumière du jour pour lui tout seul. Aidé de son esprit gardien, Dlugwi, il réussit à s'emparer de la lumière du monde et de la mettre en boule pour pouvoir l'enfermer dans son grand coffre en bois. Clac ! Là, fermez les yeux. Imaginez le noir total pour toujours. Les animaux, jour après jour, n'en pouvait plus de se bousculer, de se cogner contre les rochers, de se cogner contre les arbres, de tomber dans les fossés. Corbeau pense avoir une idée. Et il demande aux animaux de penser à lui très fort. Dans la nuit, il écoute et il cherche le bruit des vagues. À tâtons, il se dirige vers l'océan. Après avoir marché, il arrive vers l'océan et dans les flaques laissées par la marée basse, oui, ça pique, il trouve ce qu'il cherche, des oursins. Ah, enfin, il les ouvre. Se délecte de leur chair tendre, car il avait grand faim. Une fois toutes les coquilles vides, ramassées, il les met dans son panier et s'en va vers la maison de son cousin Goéland, car il pense que c'est bien lui qui est la cause de toute cette noirceur. Arrivé devant sa maison, il prend soin de poser devant sa porte toutes les coquilles d'oursins. Croix, croix, croix ! Goéland, ouvre-moi, c'est ton cousin Corbeau. Personne ne répond. Croix, croix, croix ! Goéland n'a pas trop envie d'ouvrir, car même si c'est son cousin Corbeau, d'une, il mange trop, de deux, il chante mal. Et de trois, il parle trop. Alors, Goéland n'a pas du tout envie d'ouvrir à son cousin. Mais Goéland a peur du « qu'en dira-t-on ?» Et on n'est jamais à l'abri d'une oreille qui traîne. Alors, Goéland s'en va lui ouvrir. « Croix, croix ! Ça va, j'arrive ! J'arrive, j'arrive, cousin !» Goéland ouvre la porte et là... Aïe, 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 mes pattes! Aïe, mes pattes! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes pattes! Mes pattes! Qu'est-ce que tu dis, cousin? Je ne vois rien, de toute façon, c'est la nuit, qu'est-ce qu'elles ont, tes pattes? Mais si, 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 il y a des piquants partout! Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? J'y vois rien. Oh, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, sauve-moi! Autour de mon cou, il y a un couteau en coquillage. Détache-le et aide-moi, enlève-moi tout ça. Oh, je veux bien essayer, mais je t'assure, je n'y vois rien. Corbeau prend soin d'enjamber les coquilles, arrive vers son cousin qui, à force de se secouer partout, perd toutes ses plumes. Corbeau prend le couteau et tente, sans trop effort, d'enlever les piquants. Aïe, 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 mes pattes, mais oh, tu me fais trop mal! Oh, s'il te plaît! Mais je t'assure, cousin, je ne vois rien! C'est vrai que si j'avais un peu plus de lumière, je pourrais peut-être faire quelque chose. Bon, oh, cousin, c'est un secret, hein, mais va vers le coffre, suis mon aile et dirige-toi dans cette direction. Là, tu vois ce coffre, tu le toucheras, tu ouvres un tout petit peu. Bon, d'accord, d'accord, j'y vais. Corbeau se dirige vers le coffre, l'ouvre et là, un ray de lumière apparaît. Ah bah oui, j'y vois mieux, mais pas beaucoup non plus. Je vais tâcher de faire ce que je peux. Corbeau tente d'enlever chaque piquant, mais non, impossible. Aïe, 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 non, mais quelle brute, oh, mais quelle brute. Retourne
Je sais pas, un peu plus de lumière. Vas-y, va vers le coffre et ouvre encore un petit peu plus. Corbeau s'en va, ouvre un peu plus et essaye d'enlever un peu plus de piquant. Aïe, 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 mais j'ai trop mal. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, je t'assure, cousin. Ah, j'y vois rien du tout, hein. Il me faut plus de lumière. Aïe, mais aïe, aïe, aïe. Oh, vas-y, vas-y, ouvre ce coffre, tant pis. Corbeau, avec un sourire, s'en va vers le coffre, l'ouvre en grand, et la lumière du monde jaillit enfin. Les animaux chantent de joie, piaillent. Corbeau, quand même, avec un peu plus de soin, et tout en jacassant sans cesse, termine d'enlever les piquants. Et la joie regagne le monde. Vous aurez bien vu que depuis ce temps, Goéland n'est pas bien consolé. Car, vous n'avez pas remarqué, il a une démarche assez étrange depuis. On aurait dit qu'il a des piquants dans les pattes. Si vous cliquez sur la vidéo suivante, je mettrai un grain de sel dans vos oreilles.